Bonjour les amis. Alors, j'ai eu un cadeau. J'ai eu un cadeau. J'ai eu la surprise de voir venir chez moi, les amis, une personne qui m'a livré Anne-Marie Narboni, présidente du Congrès mondial de naturopathie. Voilà. Alors cette personne, avec son époux, en vacances à Miami, est venue me voir après s'être tapé 1 heure de route pour me voir à Coral Springs dans ma campagne. Alors ce livre, les amis, j'ai tout compris. Et pourquoi j'ai tout compris? Voilà pourquoi. Parce que c'est pour les nuls. Alors j'étais incapable de comprendre. Tout ce que racontait des Marchessault, des Passbecq, etc. Mais par contre, voilà. Mais il est fantastique. Alors, si vous ne savez pas pourquoi on dort mal, si vous ne savez pas à quoi sert la mélatonine, si vous ne savez pas, voilà, les femmes enceintes, ça ne me concernait pas vraiment. J'ai sauté le chapitre, hein. Mais donc, voilà, les monodiètes, la cure de raisin, la cure de pomme, enfin, etc., etc. Mais cette brave dame, ce livre répond à tous les amis, à toutes les questions que je me posais. Et de manière simple, vraiment, pour des gens comme moi, pour des nuls. Alors les amis, voilà, après cette mise en forme, j'irais dire, alors c'est quoi? Comment dire, ce congrès mondial de la naturopathie, ça va être le 7e congrès mondial de naturopathie. Alors, hélas, hélas, c'était prévu pour 2021, mais à cause, bien sûr, du Covid-19, ce sera en 2022. Donc, un an à patienter. Alors, les amis, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, quand on m'a dit 2022? Ben, la question qui m'a sauté à la figure, c'était, mais est-ce que je serai encore là? Eh ben oui, je serai là parce que je sais ce que je dois faire. On en a parlé avec Anne-Marie. Je lui ai expliqué les recherches du professeur Maurice Israel. Je lui ai expliqué les recherches que Eric Berg va entamer. J'ai expliqué le partage avec Thomas Seyfried, il reste encore quelques points d'ombre que notre ami Maurice Israel va donner à Eric Berg et qui lui là, va l'expliquer et le donner avec les schémas, les graphiques et tout pour comprendre. Et là les amis, c'est une énorme découverte. Une énorme découverte. Pourquoi? Parce que Maurice Israel explique. Nous explique pourquoi je survis, pourquoi je suis là. Et avec ces explications, je me suis fait un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, j'en ai parlé, bien évidemment, à Maurice. Il reste quelques zones d'ombre, quelques inconnues auxquelles il ne lui est pas possible de répondre simplement parce qu'il n'est pas nutritionniste. Il est déjà professeur en médecine et professeur en biologie. En plus de ça, comme il est à la retraite, il a tout le temps nécessaire pour s'occuper du samouraï pour essayer de comprendre. Alors, bien sûr, à 82 ans, je vous en doutez bien, je ne le presse pas. Et bien que ne le pressant pas, il va très vite, les amis, il va très vite.
Et c'est magnifique, c'est magnifique. Alors, vous le savez, j'ai interrogé, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé de l'aide à la médecine officielle, aux naturopathes. Et voilà, les amis, voilà les résultats magnifiques. Voilà, pour les nuls, pour les nuls. Donc, j'ai tout compris une fois de plus. Alors, en ce qui concerne maintenant la médecine officielle, eh ben oui, les amis, là aussi j'ai des réponses. Pour l'instant, il est trop tôt pour que je vous communique. Mais ce qui est certain, les amis, c'est qu'il y aura des études en ce qui concerne le pourquoi je suis encore là. À côté de ça, vous savez que nous continuons les recherches sur Scott. Et ce qui est extraordinaire, les amis, et qui montre qu'on est sur la bonne voie, c'est que tout se recoupe. Ce qui est valable dans un cas se retrouve dans l'autre cas. Donc, on a la certitude, du moins j'ai la certitude, que nous sommes dans le chemin qu'il fallait employer. Alors, on dit que le cancer trouve toujours son chemin, mais votre samouraï, le team de votre samouraï, la manière dont on s'est battu, les amis, pour s'entourer des meilleurs, eh ben, nous aussi, on va trouver le chemin. Merci les amis pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue et que vous la regarderez jusqu'au bout. Parce que franchement, les messages sont primordiaux. Merci les amis.